Bonjour à tous. Le livre de Daniel, au chapitre 10 notamment, nous montre que derrière nos décisions se trouve en fait une lutte d'influence entre Dieu et son adversaire. Les deux, j'allais dire, se disputent la seigneurie de notre être. Et c'est nous qui avons à choisir qui nous voulons servir. Un épisode nous est relaté dans les évangiles. Il s'agit d'un moment particulier où Judas va choisir quel maître il désire servir. Dans l'évangile selon Luc, au chapitre 22, à partir du verset 1, il est écrit que la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchait. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient comment faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Or, Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le livrer. Ils furent dans la joie et convinrent de lui donner de l'argent. Il accepta et se mit à chercher une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ça se lit vite, mes amis, mais il y a là quelque chose de terrible qui est en train de se jouer. Satan entra dans Judas, appelé Iscariote, qui était du nombre des 12. Voilà ce verset 3 qui est au centre de ce petit passage. Judas est là, tiraillé par le désir de gagner de l'argent, de gagner en puissance, en pouvoir, et puis sa fidélité à Jésus. Et voilà qu'à un moment donné, le choix se présente, et ce passage terrible nous dit que Satan entra dans Judas. Il y a une lutte auparavant qui est extérieure. Dieu et Satan se disputent notre être, en quelque sorte, chacun voulant être celui qui influence nos décisions. Mais cela se passe, j'allais dire, en arrière-plan, en attendant notre décision. Et à un moment, notre décision vient. Et notre décision fera que nous accueillerons en nous, dans notre maison, soit Dieu, soit son adversaire. Ici, le choix se présente à Judas, il est tiraillé, et à un moment donné, il ouvre sa porte, et ce passage terrible nous dit, « Satan entra dans Judas. » Le choix est fait. Y a-t-il une issue ? Nous le verrons demain.